politique. Cadre marqué pour nous connaître l'actualité politique qui est RDC. Abonnez-vous sur Narrative. Il y a et belé. Sauf que vous n'avez pas vrai vexé à politique. Il y a une narrative. Abonnez-vous sur Narrative. Avec Abigail Mukendi. De malheur moderne, je vous dis bonjour. Voilà une émission Moseka Malheur moderne, beauté. Voilà, aujourd'hui je vous propose un poulet au curry et aux oignons. C'est un plat qui peut être prêt en 15 minutes chrono. Donc ça vous dépannera bien les jours difficiles. Donc je vous montre. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Pour réaliser ce poulet curry aux oignons, nous aurons besoin de blanc de poulet, donc une bonne poitrine de poulet coupée en gros dés, assaisonnée de sel, poivre et paprika. Un oignon émincé, de la crème fraîche, du cumin, du curry, du sel et du poivre. C'est une recette assez simple et rapide, facile à faire. On se retrouve directement au fourneau. Au fourneau. Voilà, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner qu'on aura besoin d'un peu d'huile, vous en doutez. Donc on va prendre de l'huile, hein. Ce que vous aimez comme huile. Ici c'est de l'huile de maïs, donc je vais en mettre un petit peu, je n'aime pas que ce soit trop gras. Voilà. Et on va un peu faire chauffer. Alors on va faire chauffer l'huile et commencer tout doucement notre cuisson. Voilà, donc première étape, on va mettre des oignons bien chauds. L'huile doit être bien chaude. Donc, c'est vraiment un peu vif. Il faut les saisir comme ça. Alors, on va mettre un peu de curry. Pour le cumin, il faut vraiment être prudent. Hein. C'est une épice, si c'est mal dosé, c'est la catastrophe. Donc on va mettre une petite pointe de cumin, vraiment chouïa, très peu. C'est une épice, si c'est vraiment mal dosé, vous ne l'aimerez pas. Mais quand c'est bien dosé, ça parfume bien. En fait, il faudra mettre les épices à chaque étape. Voilà. Voilà, on met le blanc de poulet. Attention parce que ça a déjà été salé. Donc, il ne faut pas mettre
du sel à ce stade. Et maintenant, on va également mettre du curry. Un peu de cumin. Très peu. On fait cuire. Voilà. Maintenant, ce qu'on a fait, on a baissé le feu, on diminue tout doucement parce qu'on va mettre la crème fraîche. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Hein. Voilà, donc nous avons nos morceaux de poulet qui sont dorés. On va mettre la crème fraîche. Voilà, maintenant on met la crème fraîche. Voilà. On a mis la crème. Et puis là, on va laisser cuire 5 minutes. Vous pouvez utiliser aussi de la crème épaisse. Hein. Mais moi, je n'en avais pas, alors j'ai pris de la crème liquide. Ça va se réduire hein, à la cuisson. On peut couvrir. Couvrez en cuit à feu doux. Voilà, ça avance bien. Vous voyez? Au bout de 5 minutes, ça s'est épaissi. Comme je vous l'avais dit, c'est un plat vite fait. Hein. On va rajouter un peu d'épices pour la fin. Comme ça. Encore un peu de curry, cette fois-ci c'est pour bien marquer la couleur. Voilà, nos 5 minutes sont passées, ça s'est bien épaissi. On peut vite rajouter une petite pointe d'épices encore pour marquer le coup. Donc un peu de cumin, un peu de curry pour bien marquer la couleur. Voilà. Je vous l'avais dit, c'est un plat vite fait, hein, donc, mais riche en goût, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer de plus près.
Voilà, on va passer au dressage. Voilà, notre poulet curry aux oignons est prêt. Un plat top chrono et très bon. Je l'ai servi avec un riz. Vous pouvez opter pour du riz basmati si vous préférez le riz thaï également. Voilà, c'est une assiette comme à la maison. C'est pas l'assiette resto aujourd'hui. Voilà, regardez. Ça donne ça. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Activez la cloche de notification. La cloche toute notification. J'espère que ça vous aura plu. Sinon, tentez votre chance une prochaine fois. Ça sera peut-être la recette de votre vie. Voilà. Et pour aujourd'hui, c'est terminé. L'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit à bientôt. Balobine narrative et sobeta masolo ya sika maramba sika na narrative vous s'abonner et belé vraiment contenu yangaï hein au moment na liboso na bino c'est votre humble servante hein grâce à l'outama entre ma di ma dera de la presse balobine nous salande hein et ça na narrative ndongolo o aso soit artiste nyonso balobine artiste peintre musicien et comédien et on est bien avec artiste. En tout cas, émission Ndombolo et Zawana Ponabino. Et vous abonnez. Vous ne serez jamais déçu. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui passe l'émission Moseka de Maléwa Moderne. Break, the shadow starts to fade.